Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Recoucou, j'espère que tout va bien. Maintenant, là, j'ai commencé un petit peu à créer ça. J'ai terminé un peu sans vous en fait. Hein. Je vous montre rapidement. Donc ça ressemble un peu à ça. Ça fait un petit loft bien mignon. D'accord. Donc, là, j'aime bien le style, sauf que le toit, bien évidemment, n'est pas fermé, mais je m'en fous parce que c'est juste une maison pour déco. Mais c'est joli. Maintenant, je vais commencer à créer d'autres nouvelles créations. Que toujours faire les mêmes carrés. Donc ici, on va commencer à mettre encore des fondations. Ça veut dire quoi? J'ai déjà plus de bois? Tu te fous de moi ou quoi? Oui, j'ai plus de bois. Bon, bah, c'est plutôt bien. Ça commence bien, mais... Moi, je vais mettre énormément de bois. Donc là, c'est bon. Donc, je vais faire une triplette, là. Même si après... J'aurais pas l'utilité d'avoir autant, même une quadruple, non. Voilà, une triplette. Donc, une triplette, ça va être simple, ça va être tout simplement d'autres fondations que je vais essayer de mettre aussi en pratique. Attends, on va faire ça comme ça. Comme ça, je me tromperai pas, vous voyez. Je trouve que ça a un autre style maintenant, un autre charme. Voilà, et devant, on va faire à peu près pareil. Et derrière, ça sera aussi pareil en fait. Donc là, c'est bon. Et derrière, on aura un peu plus de place. Et merde, j'ai déconné juste sur ce côté-là. C'est pas vraiment méchant, mais bon. C'est quand même assez embêtant de voir en fait qu'on peut se tromper très facilement. Parce que les cases. Non, je peux pas, il n'y a pas assez de place. Chiotte. C'est bon, il y a de la place. Donc maintenant, je remets tout ça en bois. Ça, tous les cas, je les laisse pas tomber. Bon, y a juste ça qui sert un peu à rien. Oh non, je suis bloqué maintenant. C'est bon, j'ai eu peur. Que j'étais bloqué. Quoi, déjà plus de bois? Ah, des fois, je suis même moi-même étonné, des fois, les conneries qu'il peut y avoir. Hein. Là, je vais aller vite. Par contre, il y a juste un truc que j'aime bien, c'est la matière du bois, elle est sympa. Mais par contre, j'aime bien les fondations en pierre, c'est que tu vois de la pierre en dessous, en fait. Ça, c'était plus joli parce que là tu vois en fait à travers comme si c'est des petits sapins en fait. Voilà, c'est pas le plus dur qui a été fait, mais on va dire ça sert un peu à rien, ça casse un peu le truc. Voilà, c'est beaucoup plus joli comme ça. Alors maintenant faisons une maison. Tiens, pourquoi pas faire un autre style encore? Mais qu'est-ce que tu nous fais mec? J'en sais strictement rien. Non, désolé. J'ai cru que j'avais tout pété. Voilà. Encore un peu. Ça fait des trucs des fois bizarres. Hein. Il y a des petits malins dans le body shop. Hein, je les entends. Vous allez me dire, mais comment ça tu les entends? Regarde bien, ils sont juste... Merde. Ils sont juste là. En train de squatter mon body shop. Vous avez vu? Vous avez vu cette épicerie? Tout le monde maintenant commence à la connaître de plus en plus. Et ça devient grave, très grave. Donc, je dirais que la porte, je vais la mettre là. Ouh, je pourrais même pas mettre d'escalier, c'est sûr et certain. Et merde, je m'en doutais. Bonjour le mec à poil, bonjour le mec à poil, bonjour le mec à poil. Non, c'est vas-y, casse-toi le mec à poil. Plutôt casse-toi la nana à poil. Je croyais que c'était quelqu'un, mais c'est toujours la même tête que je vois. Va-t'en de là. Ah. Mais... C'est dommage que je peux pas me mettre... Attends, je vais peut-être voir si je peux pas mettre une fondation juste là. Un peu trop grande. Je fais quoi, lui? Vous voyez, légèrement. Je me suis légèrement loupé. C'est pas grave. Allez, construisons ça. Ou plutôt, j'ai mieux. Je vais faire un petit côté panoramique. Tiens, pourquoi? Mais non, pourquoi tu construis tout la même chose? Voilà. Un côté panoramique, un peu comme un bar ou un truc comme ça.
Donc l'entrée, je pense qu'elle va se faire ici. Et après tout le reste, ça sera avec des fenêtres. Bien évidemment, derrière, ça sera pas le cas, mais tout le long, ouais, je mettrai des fenêtres. Donc le mec, il aura un petit jardin VIP, rien que pour lui. Voilà, j'ai cru que je pouvais pas en fait. Donc là, c'est bien. Là, parce que faut que j'essaie aussi de trouver d'autres trucs, mais j'ai pas forcément après envie de faire des trucs trop imposantes. Parce que ça fait trop le mec qui a une villa gigantesque et après toutes les autres maisons sont petites et ridicules quoi. Le plus dur, ça va être de fortifier tout ça après. Pas de le fortifier, mais vu tous les petits trucs, ça va prendre un peu de temps. Donc ici, ça c'est bien. Même on pourrait même se faire une petite hauteur. Tiens, j'ai une meilleure idée en plus. Vous avez kiffé. Celle-là peut être vraiment cool comme maison. Sauf qu'il n'y a pas de pilier. Je vais quand même mettre 2-3 piliers histoire d'en mettre un peu. Bon, j'exagère un peu, mais. On fiche un peu, c'est juste pour en mettre un ou deux sur ce côté-là. Pour pouvoir faire monter juste un étage en fait. Non, les piliers malheureusement ne vont pas forcément bien tenir. Voilà. Donc faisons comme si on n'a rien vu. Maintenant. Tu te fous pas de moi, pourtant j'ai mis des piliers. Merci. Je commence un peu à m'inquiéter. Hein. Voilà, et là on va commencer à finaliser tout ça. Donc là c'est sûr que ça sert à rien d'en mettre, d'accord? C'est plus du tout la même zone. Donc là c'est des piliers triangulaires qu'il faut mettre. Oh non, je me suis encore trompé. Triangulaire. J'ai l'impression que ça aussi c'est triangulaire. Non, même pas. Ouais, écoute, je finis vite fait de mettre ça. Encore un petit effort. Je me suis un peu loupé, j'ai l'impression, sur cette case. Vous voyez, faut que je sois bien aligné. Hein. C'est pour ça que ça n'a pas collé. Attends. Voilà. Coup de bol quand même. Hein. Ah, j'aime bien là. Donc je remets une petite fortification. Putain. Tu peux jamais être tranquille avec des gens qui n'aiment rien faire sur des jeux vidéo. Bravo Puma. Il m'a balancé son fumigène de merde et maintenant il va rester comme ça pendant 3 jours. Bravo le petit bébé. Attends, ouais, donc ça je vais le mettre là. Je crois que je suis le seul con, on va dire, à vouloir faire un truc de mon équipe de construction. Les autres sont même pas motivés pour pas grand chose, j'ai l'impression. Ils veulent pas faire de village, je sais pas, je sais pas. Comment ça se fait qu'ils sont comme ça aussi? Ils aiment bien se balader dans le jeu. Donc je sais pas. Peut-être le seul à me taper des délires comme ça avec les villages, mais même les yayap, ouais, je sais pas. Donc ça, c'était plutôt cette partie-là qu'il me faut. Maintenant, celle-là, je vais la mettre ici. Donc ça, c'est moche par contre derrière, mais bon. Parce que j'ai la souris qui commence à fatiguer avec tous ces... manipulation, ça c'est bien. Alors rapidement, je pense que je vais refaire la même chose que tout à l'heure, hein. Remettre des fenêtres ici et on repart sur le même truc. Après là, ça peut être un truc vraiment beau, hein, de l'extérieur, hein. Merde, par contre le toit, je sais pas ce que ça va donner. Voilà, j'ai ça à faire. Donc le truc que je voulais faire à partir de là, c'est me faire un peu un salon VIP. Tu passes par là. Tu as une fenêtre ici. Une autre là. Et après, tu as une autre porte ici.
Ça peut être sympa. J'ai appuyé sur quoi là? C'est bon. Et après, ça nous fait un vrai balcon. Donc maintenant, ce qui va être chiant, c'est de refermer tout ça. Donc là, cette fois-ci, je pourrais pas le fermer un peu comme j'ai l'habitude de le faire. Attends, voilà, là, 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 vite. Manque rapidement le sol. Oh putain, c'est dur, hein. Faut même pas tromper de touche, quoi. Voilà, hop, 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 hop. J'ai presque fini. Voilà, heureusement que je me suis pas mis de pierre. Donc là j'ai ça. Derrière maintenant. Bon bah derrière ça va être plus dramatique. Donc il faut toujours ces trois piliers là. Ça j'aime pas trop faire des trucs triangulaires parce que ça prend plus de temps. Mais c'est plus joli aussi. Hein. Voilà la grande réserve. Et après tu refermes tout ça avec le truc le plus facile à faire, le plus classique même. Et nous voilà dans notre maison. Donc il ne reste plus qu'à la fortifier juste ici. Fortifier légèrement. Pour qu'elle passe de 5 à 250. Encore là. Non, presque. J'ai presque failli de réussir. Donc là, la grande construction, bah, je pense qu'elle va être plutôt bien, bien rangée. Pas que je tombe dans le trou. Donc ce bâtiment, je le trouve joli. Ça fait une petite villa en fait. Dommage qu'on peut pas mettre de lac artificiel. J'aurais bien aimé. Là, 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 là. Donc maintenant, ce qui va être, c'est tout simplement rapidement les fenêtres. Donc ça, heureusement que c'est aussi rapide à poser. Là, il va nous manquer juste à mettre des portes, deux portes plutôt. De l'autre côté, merci. Donc ici, c'est encore la même chose, barreau, barreau, barreau. Ça fait vraiment un vrai panorama, quoi. Si franchement j'aurais une maison, je m'aurais fait un palais comme ça. Une porte ici. Voilà, parfait. Ah, il manque la petite touche personnelle. Du petit. Non, du petit escalier. Non, du petit escalier. Et voilà. Donc de loin. Bon, à cause de monsieur fumigène, ça donne ça. Bon, ça fait pas terrible, 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 mais ça fait un truc qui. Ça fait une petite vue plutôt panoramique. Donc ça fait un peu un bâtiment plutôt. Moi j'aime bien. Je trouve qu'il a de la gueule et même pour les raids, bah, tu peux te réfugier dedans et facilement bah, te protéger quoi. Parce que tu as beaucoup d'espace et tu peux t'accroupir dans le jeu, donc c'est ça qui est cool, vous voyez. Après, ça m'empêchera pas par exemple de me faire plusieurs. Je sens une connerie, hein, de plusieurs retranchements en fait. Hein. C'est le mec qui se prend pour la guerre de je sais pas trop quoi. Mais voilà, ça laisse la possibilité de faire beaucoup de choses, vous voyez. Donc petit à petit, ça commence à sortir de terre et. On verra bien le mini Dubaï de Body, qu'est-ce qui va devenir. Donc on a ça, putain, sa fumée va rester 3 heures minimum. C'est qui là-dedans là? J'en ai un peu. Je suis sûr qu'il y a encore des mecs à l'intérieur. Non, c'est bon, ils m'ont tout dépouillé. Donc voilà, ça progresse. Donc il me restera encore à faire tout ça. Et tout le long, après, il faudra que je commence aussi à mettre des plantations. Donc ici, j'essaierai de mettre un petit peu des citrouilles. Puis je mettrai après du maïs un peu partout. Que citrouille, ce qui est bien, c'est que regardez, ça pousse vraiment bien la citrouille. En plus, dès que c'est mature, ça prend énormément de végétation. Bon, les trous, ne vous inquiétez pas, c'est la plupart des joueurs qui m'ont la moitié à dérober avec leurs dents, bah, mes petits trucs quoi. Donc voilà, moi je vous dis à tout à l'heure. Je vais monter un peu là-haut. Donc là, on pourra observer rapidement les choses ici.
Ouais, ça commence à prendre de la gueule tout ça, hein. Ouais, sauf qu'il manque encore tous ses tours et ouais, je suis content. Moi, je vous dis à tout à l'heure.